Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Chose promise, chose due, au cœur du sport sera désormais en direct vendredi entre 21h et 22h. Et pour cette première, nous allons aborder la qualification des étalons. Vous le savez, le 28 mars, Charles Kabore et ses camarades ont composté leur ticket pour Cameroun 2022, mais que de polémiques autour de cette qualification. Nous allons décrypter ce sujet en trois étapes. Le jeu, les cadres, rajeunir ou pas, et nous allons finir par l'encadrement technique. Et autour de ça, de cette table, nous avons invité des observateurs du football qui vont nous aider à comprendre le jeu des étalons. Est-ce qu'il faut rajeunir, comme je l'ai dit, ou bien l'encadrement technique, qu'est-ce qu'il faut en faire? Mais je vous rappelle que cette émission est interactive. Nous allons ouvrir le téléphone vers la fin pour permettre à vous, téléspectateurs, de donner aussi votre avis sur l'avis de notre équipe nationale. Mais avant, je m'en vais vous présenter mes invités du soir. À l'extrême droite, c'est Philippe Bationo, journaliste sportif au quotidien et promoteur de l'étalon.net. Philippe Bationo, bonsoir. Bonsoir Amadi Zongo et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision BF1. En face de Philippe Bationo, c'est Bourema Maïga. Il est directeur sportif de Salitaf. Mais rappelez-vous, il était aux manettes des étalons comme manager à la CAN 2013 quand le Burkina a atteint la finale. Bourema Maïga, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous les spectateurs. À côté de Bourema Maïga, c'est Issoufou Dem. Lui, on ne le présente plus, vous qui suiviez l'émission quand elle était enregistrée, c'est-à-dire en tous les mercredis. Vous savez de quoi Issoufou Dem est capable en matière d'analyse. Dem, bonsoir. Bonsoir Madi. Prêt? Bonsoir à tous. Prêt pour le... Aucun souci. Aucun souci. Alors, en face de Issoufou Dem, c'est Salifou Guigma de la radio Horizon FM. Lui, c'est le fil rouge de cette émission, puisque comme vous le savez, Horizon FM reprend le son de cette émission sur ses antennes. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Alors, chers téléspectateurs, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous rappeler rapidement l'actualité donc sportive donc du week-end, c'est-à-dire le programme du championnat national. Aujourd'hui, vendredi, il y avait Uzo Majestic, défaite de l'Uzo, 1-2. Ensuite, samedi, demain, donc le programme de demain samedi, il y aura Raïmo Léopard au stade Sangoulé, Lamizane Abobo du Lasso à 16h, RCB Kozaf stade Wobi à 16h, et AS Police USFA, stade Issoufou Konombo, pardon, à 16h. AS Douane RCK, c'est au stade Issoufou Joseph Konombo, là c'est à 18h15. Dimanche, à Bobo Dioulasso, on aura Vitesse ASEC au stade Sangoulé Lamizana à 16h. SFB Royal au stade Wobi à 16h. Et le derby traditionnel, je dirais le derby historique de la capitale entre l'Étoile Filante et l'AS Fanyeninga au stade Issoufou Joseph Konombo à 16h. Toujours le programme du week-end dans les autres disciplines. En basketball, on aura demain samedi le tournoi Macadam au Palais des Sports de Ouagadougou. Là, c'est à 14h. Et en handball, on aura le championnat national AS Police USFA au Palais des Sports à 15h30. Mais là, c'est à l'intérieur. Il faut savoir que le Palais des Sports offre deux complexes. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Le basketball, c'est à l'extérieur. Et le handball, c'est à l'intérieur. Et on aura donc pour finir AS Douane Sonabi, c'est à 17h. Voilà, et rappelez rapidement le programme du week-end que nous avons pu avoir pour vous. Et alors, on va aller directement à notre sujet, les étalons du Burkina, polémique autour de la qualification des étalons. Tel est le thème donc que nous avons retenu pour cette première au cœur du sport, donc en direct sur les antennes de la télévision BFM. Avant de rentrer dans le débat, nous vous proposons cet élément. Le Burkina Faso va participer à la 33e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue se jouer au Cameroun en janvier prochain. Le drapeau burkinabé va flotter pour la 12e fois dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Kamou Malo sera le troisième entraîneur burkinabé à conduire les étalons à une phase finale de la CAN
après Drissa Malo Traoré en 1996 en Afrique du Sud et Jacques Yamego en 2002 au Mali. Mais à peine le ticket de la qualification est dans la poche qu'une polémique est née dans les cercles du ballon au Burkinabé. Le jeu des étalons est remis en cause avec pour référentiel les matchs contre le Malawi à Blantyre et contre le Soudan du Sud à Ouagadougou. Le 11 burkinabé a mal joué et d'autres n'ont pas hésité à jeter le bébé avec l'eau du bain. En toile de fond, il est revenu le débat de la présence de certains joueurs au sein du groupe. Des cas de mauvaise conduite ont aussi alimenté les débats. En pareille circonstance, c'est l'encadrement technique qui est simplement pointé du doigt. Kamou Malo, pour les plus sceptiques, ne serait pas l'homme de la situation. Voilà, donc c'est l'élément que nous vous proposions avant donc, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous y sommes, Maïga. Vous avez vu les étalons lors des éliminatoires. Qu'est-ce que vous avez pu retenir dans le jeu de notre 11 national? Bon, je peux vous dire que je n'ai pas retenu vraiment grand-chose. Je n'ai pas retenu quelque chose qui a été mis en place. Mais je pense que ça ne date pas de maintenant, depuis un certain temps. Même quand Duarte était là, on a commencé à avoir sérieusement des difficultés pour avoir vraiment mis en place, pour quand même produire de beau football. Parce que les latéraux n'arrivent plus à faire la différence. Mais ça, c'est les encadrements techniques qui doivent mettre ça en place pour qu'on puisse quand même faire le football moderne. Mais aujourd'hui, on est très, très loin du football moderne. Mais tout ça, ça commence par des organisations, ça veut dire la discipline. Quand l'entraîneur, s'il n'y a pas la discipline dehors, on ne peut pas faire la discipline. On va y arriver. On va se focaliser d'abord sur le jeu et ensuite on va passer aux autres thèmes. Alors, Dem, en matière de jeu, qu'est-ce que vous avez pu retenir lors des éliminatoires de cette CAN 2021? Comme l'a dit, il m'a dit précédemment, depuis un bon bout de temps, le jeu laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et surtout, ce que j'ai remarqué maintenant, c'est l'attitude des joueurs. L'attitude des joueurs sur le terrain me prouve qu'il n'y a pas un maître à bord. Parce qu'il y a un laisser-aller dans le jeu. Parce que j'ai vu l'attitude de certains cadres sur le terrain. Quand vous dites qu'il y a un laisser-aller dans le jeu, c'est en matière d'application des consignes ou bien chaque joueur semble se faire comme il veut sur la pelouse? Je ne vais pas faire l'injure à l'entraîneur pour dire que quelque chose n'a pas été mis en place. Mm-hmm. Mais je constate. Et tous ceux qui étaient au stade la dernière fois et qui ont regardé c'était le 28 mars contre Soudan du Sud. Se rendre compte de l'attitude de Bertrand sur le terrain, qui perdait beaucoup de balles, mais qui faisait à sa tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est dans ça, dans cette attitude-là, qui est mon inquiétude. Parce qu'il faut que les joueurs aient peur de perdre leur place. Mais si des gens sont maîtres sur le terrain, qui font à leur tête, il y a un problème. Alors qu'on n'a pas plus que Bertrand. Pour moi, pour l'instant, pour nos joueurs, comme nous voyons, et je pense même que c'est lui qui doit être le maître à jouer de l'équipe, mais l'attitude des joueurs sur le terrain me pose problème. Salif, oui. En matière de jeu, durant ces éliminatoires, vous avez pu observer, on a joué 6 matchs, c'est vrai que le Burkina termine quand même en tête de poule. Mais néanmoins, on trouve qu'il y a un problème au niveau de la production. Vous qui avez observé, alors qu'est-ce que vous avez pu retenir? Mais écoutez, il y a une chose qui est naturelle dans la vie de l'homme. C'est que le rendement de l'homme est limité et dans le temps et dans l'espace. C'est une génération qui ne date pas de maintenant. C'est clair qu'à un moment donné, ça va se faire sentir, pas physiquement, d'accord, mais dans le rendement lui-même. Parce que vous prenez cette colonne vertébrale de 2013 où vous rappeliez, Maïga était donc collé serré, si je peux permettre l'expression, avec cette équipe en El Sprit. Vous avez Général Bakou, vous avez Charles Kabore, vous avez Bansé, vous pouvez remplacer par Dagano, vous pouvez aussi aligner quelqu'un comme Daouda Diakité. Alors donc, c'est pour dire que aujourd'hui, c'est vrai que il y a plus de 50% de cette équipe-là qui est en train de sortir. Sinon, il y a un tir déjà qui est parti. C'est pour moi là où il y a le pont, un pont que Kamou Malo a
aujourd'hui comme tâche qui n'est pas facile à construire parce qu'on sait que toutes les transitions sont difficiles. Je crois maintenant, à mon sens, que dans cette transition, arracher une qualification est une prouesse. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il est clair qu'il y a des insuffisances, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même, pour un devoir de redevabilité, rendre hommage à ceux qui ont marqué le temps et qui, aujourd'hui, sont en train de laisser leur place aux plus jeunes. Et dire également que quand on prend la moyenne de cette équipe-là... On va y arriver par rapport au... Je finis avec le jeu dont vous parlez. Voilà le jeu, exactement. Voilà. Et c'est clair que dans ce conflit de génération, vous ne pouvez pas avoir un football limpide. D'accord. Voilà. Alors, donc c'est ce qui explique ça. D'accord. Alors Philippe, est-ce que c'est cette transition dont Salif parle là qui fait qu'il y a un peu de cacophonie dans la production des étalons sur la pelouse? Oui, d'une part, on pourra... mettre, j'allais dire, le non-match des étalons sur le coup, comme il a dit, sur le coup de cette transition. Mais ça n'explique pas tout. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire que, Maïga le rappelait tout à l'heure, même sous Duarte, vers la fin donc, du règne, vous me permettez l'expression, de Duarte, il y a eu aussi, j'allais dire, c'était un match où on ne reconnaissait pas du tout l'équipe nationale. Et alors que quelques mois plus tôt, à la CAN 2017, on a vu les étalons jouer. On était fiers de voir cette équipe-là jouer, se battre, tout donner dans les matchs pour pouvoir arracher des matchs, des victoires. Mais depuis un certain moment, il faut dire qu'on ne peut pas souligner donc, les prestations décevantes des étalons sans parler de l'encadrement. Parce que sous Duarte, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, il y avait commencé à... avoir un certain laisser-aller, on a senti que le sélectionneur n'était plus maître à bord et que certains joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, Duarte, on l'a laissé, on l'a libéré. Et malheureusement, Kamumalo, qu'on attendait comme un homme de poigne pour justement venir redresser cette barque-là, pour venir mettre un peu de rigueur. Pour le moment, en tout cas, il n'est pas encore parvenu parce qu'on est toujours dans cette logique de laisser aller là. D'accord. Et on espère qu'il va pouvoir se ressaisir et pouvoir, rectifier le tir. D'accord. Parce que, quoi qu'on dise, jouer une équipe ougandaise, même si elle était à domicile, jouer une équipe ougandaise et finir les 90 minutes sans un seul tir cadré avec tous les joueurs offensifs, tous les milieux qu'on avait dans ce match-là, c'est vraiment risible, quoi. C'est vraiment risible. Oui, alors Maïga, justement, quand on prend cette équipe des étalons, Dem l'a dit, le leader technique actuellement, en tout cas, c'est Bertrand. Mais quand on regarde quand même le jeu, on a l'impression qu'on tente, comme on le dit, de garder notre système traditionnel. Charles Kabouré qui cherche un attaque, qui cherchait, Aris Dibansé des 60 mètres. Or, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'observe, que nous n'avons plus ce point d'ancrage-là à la tête, à la pointe de l'attaque, parce que ce soit Lassina Traoré ou en tout cas, je ne sais pas quel autre attaquant, ils n'ont pas le même profil que Bansé ou Dagano. Bon, d'ailleurs, même, c'est ça qui crée un peu de désordre, parce qu'on veut toujours continuer. J'ai vu plusieurs fois, ils ont dit à la défense d'envoyer directement devant. Et comme on jouait avant avec Dagano, avec Bansé, puis on récupérait le deuxième ballon pour aller. Maintenant, on n'a pas le même profil maintenant. On a un autre profil, le profil de Lassina, le profil de Bandé, le profil de Jody Ndoua, quand même s'adapter à ces joueurs-là pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, ce deuxième problème, c'est un peu de désordre sur le terrain. Comme on a dit, au départ, tant qu'il n'y a pas un certain organisé rigueur, au dehors du terrain, ça repère sur le terrain. Donc, il faut qu'on règle d'abord. Si l'entraîneur dit de ne pas sortir, si les gens sortent par exemple, ça veut dire si le terrain si dit de faire ça, ils ne vont pas le faire. Donc ça crée un peu de désordre, franchement, de Bertrand. Moi, je ne sais pas jusqu'à présent quel poste il jouait. C'est un joueur que moi, j'aime bien. Moi, je veux même qu'on lui donne quand même la responsabilité pour quand même qu'il soit leader de cette équipe. Depuis très longtemps, je parlais de ça. Mais les deux derniers matchs, je ne sais même pas quel poste Bertrand occupait. Il était un peu comme on a dit, laissé aller. Mm-hmm. Et c'est laissé aller, ce n'est pas seulement Bertrand. Il y a Charles qui crée aussi ça, parce que des fois, il vient prendre le ballon sur le pied d'Edmond et le pied d'Ayou, qui ont le meilleur élance que lui. Donc ça crée un peu de déjà, parce que j'ai toujours dit que c'est des leaders
qui créent des problèmes dans cette équipe-là. Pourquoi ? Parce que c'est des anciens. On ne peut pas les diriger de la même sorte que les jeunes joueurs. Et donc, ça crée énormément de problèmes. C'est pour ça que je veux qu'on fasse grâce, parce que Malo a déjà dit, le plus important a été fait, c'était de qualifier. Lui voulait d'abord se qualifier et puis rajeunir l'équipe. Là, je trouve qu'il a, il a gagné ce combat-là, ce premier combat. Il a laissé faire. Mais maintenant, il faudra que la fédération fasse un grâce pour faire la préparation de cette équipe-là, pour qu'on joue bien, ce que la public attend comme avant, de laisser la Coupe du Monde pour la préparation de la CAN. Sinon, ça va nous causer énormément de problèmes dans le futur. Si les anciens doivent jouer encore pour prendre la place de ces jeunes-là, ils ne seront pas prêts à la CAN. Moi, je pense que cette Coupe du Monde, on doit sacrifier pour pouvoir quand même se préparer et que c'est fait les matchs des éliminatoires là, comme la préparation d'une équipe de 5 étoiles pour demain. Donc on a des joueurs pour ça, mais il faut que les autres là quand même, on ose qu'ils laissent la place pour que les enfants là soient très guéris. D'accord. Alors l'information, l'autre information que je devais vous donner, chers téléspectateurs, avant, c'est que la CAF a publié donc l'équipe type des éliminatoires et merci, Edmond Tapsoba est dans le groupe, donc il fait partie des 11 meilleurs, des éliminatoires de cette CAN 2021. Félicitations à Azak Soba. Alors, Dem, on continue par rapport donc au jeu. Aujourd'hui, Charles, il part, il est là, et donc il est toujours le capitaine, en tout cas, honneur à lui, puisqu'il a fêté sa 100e sélection et le Burkina lui a rendu, tout le Burkina sportif lui a rendu hommage. Mais est-ce que Charles doit encore jouer ce rôle de point d'ancrage, là, en tout cas d'orientation qu'on lui connaissait, ou bien est-ce qu'il faut trouver d'autres, puisque Salif l'a bien souligné, ben, Pitropa n'est plus là. Bon, Alain Traoré, c'est des bouts de match. Il n'a plus les mêmes partenaires, donc il ne peut plus avoir le même jeu. Bon, ça c'est juste, hein, parce que quand on voit les étalons, il y a problème. Bon, si vous savez, le dernier match, c'est à la 43e minute que je me suis rendu compte que c'est Alain qui est sur le terrain. Tu dis quoi? J'ai dit, c'est à la 43e minute que j'ai su que c'est Alain qui était sur le terrain. D'accord. Ça veut dire que le football ne ment pas. Il y a une période où on peut, où il y a une période où on ne peut pas. Maintenant, ça dépend de ce que l'entraîneur veut. S'il veut continuer à jouer comme avant, avec ancrage et un avançant, je pense que l'avançant de Sonabel ne va pas dépérir, le Ouattara. Maintenant, on a les attaquants qui ont un autre profil. Et ceux qui font jouer là ne peuvent plus jouer comme ce que les Bansé joue. Mais c'est comme il a dit, en dehors du terrain, moi je crains qu'on n'ait plus un Bansé. Quelqu'un qui joue le rôle de Bansé en dehors du terrain. Ça, je crains. Mais maintenant, pour les attaquants, comme il a dit, le juge, le maître juge est là, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, mon inquiétude, si on n'a pas pu changer après la qualification, on n'a pas pu faire donner la chance à certains, je me pose la question, est-ce que les 6 matchs de Coupe du Monde, là, l'entraîneur va oser donner la chance à d'autres? Parce que la Coupe du Monde, beaucoup de monde, contrairement à mon ami Maïga, qui va loin, contre la Coupe du Monde, on se voit déjà à la Coupe du Monde. Alors que le jeu produit n'inspire pas confiance. Comme le jeu produit n'inspire pas confiance, voilà pourquoi on en parle. On en parle pour que on puisse rectifier, pour que demain nous donne tort. Je pense que c'est le but de ce débat. Mais il y a une vraie inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on n'a pas de joueurs. Personne ne peut le dire. Il y a des jeunes joueurs qui sont là, qui ne demandent qu'à être, qu'on leur donne la confiance. Salif, vous avez vu l'attaquant qui est rentré? Oui. Le Tapsoba, Faisal. Faisal, oui. Aide-moi, Faisal Tapsoba, oui. Non, c'est Abdoul. C'est Abdoul. Bon, je ne le connaissais pas. Même, c'était tous Faisal. Je ne le connaissais pas. Franchement, je ne le connaissais pas d'Adam ni d'Ev. Mais si tu le vois jouer, il a marqué contre Benfica. Si tu le vois jouer, il n'y a pas de doute qu'il joue dans son club. Un joueur qui ne joue pas dans son club, il ne faut pas l'appeler en équipe nationale. Moi, je voulais réagir oui, chaud oui, par rapport à ce qu'il Philippe, a dit. Moi, en fait, je comprends un peu sa position
concernant le rajeunissement de l'équipe. Mais moi, j'aimerais juste dire que le problème du Burkina aujourd'hui, ce n'est pas forcément une question de rajeunissement. Oui. Au contraire, on l'a souligné tout à l'heure, c'est une question de rigueur. C'est juste. Si le staff technique met en avant les performances des joueurs, si le staff technique essaie de mettre, d'instaurer dans l'équipe nationale une certaine concurrence, une saine concurrence, et que ce sont les meilleurs qui jouent sur le terrain, je pense que le problème est résolu. Aujourd'hui, on a un Cristiano Ronaldo qui a quel âge aujourd'hui ? Il est plus âgé que Charles Kaboré, plus âgé que Alain Traoré, plus âgé que Pitropa et autres, mais il est toujours performant. Mm-hmm. Quand un joueur est performant, il faut le titulariser. Je suis d'accord. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans l'équipe nationale, c'est que c'est une sorte de copinage qui s'est installé. On est là. Je ne sais pas ce que ces derniers ont fait. Peut-être qu'ils ont milité pour que le coach soit là, je ne sais pas. Mais bon, on a l'impression qu'il y a certains qui sont là, même si ils sont à 0%, ils seront forcément titulaires. Et quand c'est comme ça, même ceux qui sont sur le banc, qui espèrent un jour rentrer, mais finalement, ils baissent les bras. Parce qu'ils se disent que même s'ils se battent, même s'ils sont les meilleurs dans leur club, ils ne seront jamais titulaires tant que certaines personnes sont là. Je pense qu'il faut instaurer cette justice-là dans l'équipe nationale. C'est ça qui va nous permettre, à un moment donné, d'avoir les meilleurs sur le terrain. Si on a les meilleurs sur le terrain, qui faisaient 30 ans, 40 ans ou 15 ans, je pense que le Burkina jouerait mieux. Salut. Bon, vous savez, circonstances atténuantes quand même, hein, parce que quand on regarde le match contre le Maladie à Ouagadougou ici, avant les deux dernières rencontres, on ne peut pas jeter. On a fait 2-0. Oui, on ne peut pas jeter une pierre sur l'encadrement technique. Il y a eu de belles choses, il y a eu de buts marqués, de buts d'école. Quand je regarde les deux buts, le premier d'ailleurs marqué par Lassina, c'est quand même des attaques placées. Ce n'est pas parti du néant. Ensuite, je voudrais dire une chose. Vous savez, demandez à tous les techniciens. Quelle que soit votre, comment je vais dire ça, tactique en place, quelle que soit votre opinion traitée, si le discours ne passe pas au niveau des joueurs, vous ne pouvez pas gagner de match. C'est une question de discours. Et sur ce point, tout le monde quand même reconnaît la force de Kamou Malo à ce niveau. Je ne me fais pas le défenseur du monsieur, je dis simplement que pour moi, c'est l'un des critères qui a même milité pour son choix au niveau de l'encadrement technique. La rigueur. Et je ne pense pas qu'il ait perdu la main à ce niveau-là, à aucun moment que ce soit. Après, le reste, c'est une question d'opinion, c'est une question de subjectivité. Le casting dans une équipe, vous allez me dire, quand en 2018, la France remportait la Coupe du Monde, je prends cet exemple parce que la France est championne du monde, je prends l'exemple de la Coupe du Monde aussi parce que c'est le summum, mais à cette finale-là, c'est 34% de possession pour la France, 66% pour la Croatie. C'est quelque chose de 289 passes réussies pour la France et 558 passes réussies pour la Croatie. C'est 6 corners concédés par la France contre 2 corners offensifs. Ça n'a pas empêché la France de flanquer 4 buts à la Croatie, même si elle en prend 2. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces statistiques parce que tout simplement, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé. C'est que la France est championne du monde. Point. Je pense que ce qui est du Burkina... Pour moi, ce n'est pas la somme des valeurs, c'est plutôt l'identité qu'il faut donner à ce football. Je m'explique. Mm-hmm. Vous avez une équipe qui participe au CHAN, qui est éliminée pour une, je peux dire, c'est un concours de circonstances. On fait un faux match d'entrée. Après, tout le monde est unanime à reconnaître que cette équipe, si les choses s'étaient passées correctement, on ne serait pas sorti très tôt. On a une équipe U20. Qui a participé à la CAN de sa catégorie. Mm-hmm. Je prends U20 parce que quand vous mettez les espoirs dans la catégorisation au niveau de la FIFA, on ne tient pas compte de ça, c'est les U20 qui viennent directement. Mm-hmm. Donc vous êtes à un étage de l'équipe Fagnon, de l'équipe A. Pour moi, c'est comment façonner cette identité, donner une philosophie de jeu émanant du face au foot. Parce que la chance qu'on a aussi, c'est que c'est l'entraîneur, le sélectionneur national qui est en même temps le superviseur général qui a la chance de suivre les mouvements, qui a été au Cameroun, qui a été en Mauritanie, via le Maroc où s'est préparé l'équipe et qui sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, vous n'avez pas... C'est une chose, même Salitas, aujourd'hui, qui représente le Burkina Faso, se reconnaît dans cette identité, à savoir qu'on ne dégage plus comme il y a 10 ans. À savoir qu'elle est sortie des balles, le gardien est une tour de contrôle, les sorties, c'est sur la latéralité, et c'est à partir de là qu'on construit. Pour moi, c'est ça qu'il faut aller chercher pour bâtir. Sinon, les questions de subjectivité, de qui doit être là, le casting, ainsi de suite, je vous répète que si, peut-être Deschamps avait tenu compte de ça, il ne serait pas
champion du monde, et que nombre d'observateurs et de journalistes ne voyaient même pas cette équipe-là en quart, n'en parlaient même pas d'être champion. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui a raison, parce que ceux qui l'ont choisi, même si à l'époque on peut dire n'étaient pas les meilleurs, les Benzema et autres sont restés, à la fin c'est lui qui a raison, parce que c'est lui qui est champion du monde. D'accord. Alors on passe au deuxième sujet. Oui. Je voulais rebondir. Oui. Sur ça. De toute façon, il y a une contradiction dans ce qu'il dit. D'accord. Il y a du discours qui ne passe pas par rapport au jeu des étalons. Personne ne nie aux étalons d'avoir un jeu. On dit qu'il faut avoir un jeu cohérent. C'est de ça qu'on parle. Si les Français ont gagné la finale, ils avaient un jeu cohérent. Ici, nous, on ne voit rien. C'est de ça qu'on parle. On ne lui dénie pas le droit de faire un jeu qu'il veut. Mais nous voulons voir ce que lui veut sur le terrain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, lui, il parle des discours qui ne se passent pas. Mmh. Mais qui a ces discours-là? C'est Kambou Malo. Ça non, je n'ai pas dit qu'il mais ça passe pas. Mais c'est de ça que tu parles des discours. Je dis le discours. Hein. Si vous avez une équipe où le discours ne passe pas, quel que soit ce que vous avez sur le terrain, ça ne marchera pas. Et je pense que ça ne marche pas. Et je pense que c'est parce que le discours marche qu'il s'est qualifié avant terme. Ah non, attendez. Il faut qu'on se comprenne bien. Personne de nous ici ne dit que les étalons ne sont pas qualifiés. Non, je ne parle pas de ça. Nous, on parle que les étalons sont qualifiés. Si aujourd'hui, la raison des étalons, c'est de se qualifier seulement, ça veut dire qu'on est tombé bas. Ah bon? Parce que depuis quelques non, années, non, quand non, même, ce n'est pas le problème de souci. Je n'ai pas dit ça, parce je que, parle. Non, parce que. Non, je parle du discours. Non, il ne faut pas dire des contre-vérités. Non, il ne faut pas dire des choses que je n'ai pas dites. Non, voilà. Je dis parce que j'entends les gens parler. Je dis. Non, oui. Mais j'entends, si la raison des étalons, c'est de se qualifier, il y a un problème. Parce que le niveau qu'on a atteint et le complexe qu'on a plu par rapport aux grandes nations, si notre qualification, ce n'est pas pour aller faire le meilleur, parce que le but du débat, c'est de pouvoir être meilleur. Parce qu'avec ce jeu, tout le monde est inquiet que ça ne puisse pas marcher. C'est ça qui a mené le débat. Donc, disons-nous la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas et dans le jeu, et y compris, parce que ça fait partie de ce que le jeune a dit, Philippe. Le confrère Philippe, oui. C'est pour dire qu'en fait, ça fait partie, les éléments dont il a parlé, par rapport aux joueurs qui doivent être sur le terrain. Mon ami Maïga, s'il vous plaît, la dernière fois, le classement de l'Assina. Est-ce qu'un entraîneur haut classé, Lassina Traoré, qui est aussi gros que moi? Mais il y a un problème. Dis-nous bon, la vérité. Alors, réponds à Dem et puis non, mais on va passer sur le terrain. Oui, la preuve sur le terrain, c'est ce que je voulais dire rapidement. Ce que je voulais dire rapidement, il y a un souci. Oui. Ça revient toujours au niveau de la discipline. Tant que la discipline n'est pas claire, rien ne peut être clair dans le football. Ça, au moins, c'est clair d'abord. C'est ça d'abord. Et moi, je pense que Kambou Malo est venu trouver qu'il y avait quand même un certain désordre. Peut-être qu'il ne peut pas tout changer en même temps. Il est en train de voir ça. Parce que les cadres qui créent des désordres, sans vous mentir. Moi, je suis dehors. Moi, je le vois dehors. Il ne faut pas qu'on va tourner au pouls du pont. On est là pour aider Malo. Donc, c'est là d'abord. Parce que le même problème, si on dit à les joueurs de rester et à l'intérieur, ils ne restent pas. Sur le terrain, ils ne vont pas l'écouter aussi. C'est pour ça que je vois un peu dans le désordre sur le terrain. Donc, là où moi, ce que Malo a fait pour le moment, il a dit que lui, il doit qualifier l'équipe. Il a qualifié l'équipe. Ça, c'est bien. Ça a été fait. Maintenant, donnez-lui la main pour changer, pour que ce que Dem a dit là, il n'a qu'à mettre le système que lui met. Ça, pourquoi le système que Malo veut, ça ne vient pas? Moi, j'ai regardé beaucoup d'entraînements des étalons et je veux maintenant que Malo prenne les entraînements à main, pas firmé. C'est le réchauffement que les entraîneurs, on peut le faire. Mais quand l'entraînement pour diriger, de début jusqu'à la fin, ça, je sais que Malo est capable de le faire. Je le vis avec l'RCK. Il a failli même se qualifier en phase de cadrage. Donc aujourd'hui, là, il faudrait que ça soit clair. Les joueurs, c'est des professionnels, c'est des grands professionnels. Ils viennent dans leur club, ils sont dans leur club. C'est les entraîneurs titulaires qui donnent les entraînements là où il faut mettre les tactiques. C'est là où on va voir la main de Malo. Moi, je veux que ça revienne. Je pense honnêtement. Que les aspects techniques là, ça dépend de l'organisation du staff qui doit diriger, qui doit non, ça c'est une organisation et Maïga lui-même le sait, il sait comment ça se passe. Mais ce que je veux dire au niveau de choses, le mot est quand même
Je pense que ce n'est pas intéressant de dire qu'il y a un désordre au niveau de l'équipe. Je pense que c'est une injure pour moi. Quand bon, tu regardes un peu... Non, mais quand tu regardes l'organisation, Salif, parce que je le dis... Juste pour dire, parce que, Salif, que la seule chose qu'on ne fera jamais sur ce plateau, c'est vraiment injurier qui non, que ce n'est pas un désordre. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe... Aujourd'hui, il y a trois choses que moi, je vais citer rapidement. Tu peux parler? Première des choses, quand les étalons sont partis au Maroc, il y avait des désordres de maillots. Il y en a des sponsors, mais ils mettent ce qu'ils veulent. C'est le même désordre qu'on est en train de dire sur le terrain. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout ce que je voyais dans les réseaux sociaux partout, qui a été écrit, il y a les gens qui viennent avec leurs petits frères, ou bien c'est leurs enfants, je ne sais pas, sur le terrain. Et nous-mêmes, on a vu ça dans les réseaux sociaux, avec tout le monde, tout ça. Donc, je pense que les joueurs sortent. Peut-être c'est avec l'autorisation de l'entraîneur, mais c'est toujours les mêmes qui sortent, mais les autres ne sortent pas, parce que les autres, ils sont faibles. Donc, ça, c'est le sort que moi-même, je vis. Là, je peux défendre. Mais je dis que ce n'était pas maintenant, ce n'est pas dans les trucs de Malo, que ça a commencé. Ça a commencé bien avant. Moi, je me rappelle que la Sina Sabadougou a fait une question à Duarte. Est-ce que c'est toi qui donnes autorisation aux joueurs de sortir? Et là, il n'a pas répondu. Et là, on revient trouver la même chose comme Salif a dit, Malo, moi, je suis sûr, si le cadre-là n'est pas là, Malo peut diriger les enfants-là. Mais si c'est avec les Alain, les Charles et les autres, on aura le problème de cadrage parce qu'ils comptent sur eux. D'où justement rajeunir ou pas. Et donc, ça tombe bien. Alors, Philippe Bationo, réagis et puis tu réponds, réagir, rajeunir ou pas. Vas-y. En fait, je voulais juste souligner que, l'une des raisons qui ont milité au choix de Kamou Mahoulou, c'était justement parce que c'est un homme de poigne. Donc, dire que c'est à cause des cadres que peut-être il n'arrive pas à imposer sa volonté, moi, je dirais qu'il y a contradiction ici. Puisqu'on l'a connu en tant qu'un homme de poigne, et on se disait même que peut-être qu'il allait... Il allait avoir des conflits parce que Malo étant un homme vraiment strict et droit, peut-être qu'il allait avoir des problèmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas vraiment cette rigueur-là dans l'équipe des étalons. Ça a fait bientôt 2 ans, JE 2019, on est en 2021, bientôt JE. Ça a fait bientôt 2 ans que Kamou Malo est à la tête de l'équipe nationale. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu sa marque, en fait. C'est vrai, avec Paul Puit, on avait une certaine manière de jouer. Avec Paolo Duarte, ça a un peu changé. On a vu qu'il avait un peu imprimé sa marque. Mais avec Kamou Malo, ça tarde à venir. On espère que ça va se faire très vite. Le rajeunissement, c'est je ça. Je réponds et vous passez à l'autre. Oui, mais il m'a dit de répondre et puis d'enchaîner. C'est ce qu'il m'avait dit. Oui, vas-y. Philippe, rapidement. Et Salif prend la parole, lui. Par rapport. Alors, s'il y a des difficultés à voir la patte de Malo et que ce sont les cadres qui semblent poser le problème, alors est-ce qu'il faut se passer d'eux, Philippe? Bon, je pense que j'avais partiellement répondu à cela. J'avais dit que dans l'équipe nationale, ils vont instaurer une sorte de saine concurrence. Il faut mettre les meilleurs. Je pense qu'en mettant les meilleurs, ceux qui ne sont pas meilleurs vont travailler à être au niveau des meilleurs pour pouvoir espérer jouer. Mais bon, quand on parle de cette question de rajeunir ou pas, moi, je pense que Malo, c'est quand même quelqu'un de respectable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et je pense que si son problème, ce qui fait qu'il n'arrive pas justement à imposer sa volonté à l'équipe, si ce sont les cadres qui le gênent, eh bien, il prend ses responsabilités tout simplement. Salif ? Mais quand j'écoute, j'ai l'impression que tout le monde voit Malo depuis 10 ans à la tête de cette équipe. Malo aussi, il y a quelques mois. Non, c'est un JE. Alors, il y a quelques mois. Je crois un JE voilà. 2019. Donc, on ne va pas transformer cette équipe par... un coup de baguette magique. Laissons le temps à Malo de construire son équipe. Mais 2 ans, c'est pas 2 ans. Voilà. Ensuite, je veux dire, vous avez un homme de discours, un homme qui connaît, en termes de rigueur, qui sait ce qu'il fait. Et au sein de cette équipe-là, au-delà de ce que les gens disent, comme l'a dit Maïga, moi, je ne parle pas de ce que les gens disent, au-delà de ça, il faut prendre les formations à côté de l'équipe. S'il y a une équipe où il y a une discipline, que moi je connais, c'est bien au niveau des étalons. Oui, je peux vous le dire. Bon, les gens ont leurs opinions, ils peuvent polémiquer comme ils veulent. Le détail sur la sortie... Oui, mais Salif, par rapport... Mais tu fondes ton argumentaire sur quoi? Oui, sur quoi? Parce que je suis à côté, voilà, je suis à côté de l'équipe. Oui, exactement. Voilà. Je suis à côté de l'équipe. Okay. Je n'invente rien. Alors, ce que je veux dire, c'est que le quartier libre, enfin, comme on le dit dans le jargon, c'est Malo qui a autorisé les joueurs à sortir. Et amener aussi leurs enfants. Moi, je ne rentre pas dans ça parce que je n'ai pas vu. D'accord. Moi, je parle de ce que je sais. D'accord. Voilà. Et donc, à la fin, ce qu'il faut qu'on sache,
Je suis d'accord pour les différentes inquiétudes et tout, mais je dis n'extrapolons rien. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on se le dise, cette équipe-là ne peut pas se métamorphoser et devenir subitement l'équipe de 2013 ou de 2017. Et je dis, c'est dans cette transition qu'on s'est qualifié. Pour moi, c'est extraordinaire. Après, vous avez quoi ? Récemment, c'est Pitropa qui est parti. Il est clair que Charles ne peut pas continuer d'être dans l'équipe-là, ainsi de suite. Mais ce qu'ils font à l'intérieur est un travail extraordinaire. Le fait d'amener ces jeunes et de leur donner cette confiance, de participer dans les discours, de parler avec eux, dans les entraînements et tout, c'est ça. Parce que Malo seul, sans ces cadres-là, il ne peut pas. Ça aussi, il l'a dit. Il dit, lui, c'est zéro cadre. Quand tu parles Charles Caboret, en termes d'expérience, l'entraîneur, à un moment donné, qu'on le veut ou pas, il est obligé d'aller échanger avec lui par rapport à ça. C'est indéniable. C'est des choses qui sont naturelles, c'est clair. On sait. L'entraîneur, le technicien, ce n'est pas le dieu vivant du staff. Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est les cadres qui participent à faire de l'équipe ce qu'elle a. Ce qu'elle est. Il faut quand même qu'on se dise qu'il y a, je pense, l'échéance des éliminatoires de la Coupe du Monde bientôt, qui peuvent permettre encore de revoir cette équipe. Voilà. Ne faisons pas de conclusions hâtives. Attendons encore de regarder le monsieur à l'œuvre avant de le juger. Et surtout, ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé. D'accord. Voilà. Alors, faisons en sorte qu'on puisse continuer. D'accord. Alors, rapidement, on a déjà, c'est vrai, abordé l'aspect de l'encadrement technique. Alors, nous y sommes aujourd'hui. Alors, Maïga, vous qui étiez à côté de Paul Put lors de la CAN 2013, pour que les étalons connaissent la réussite, en regardant Kamou Malo à la manœuvre, est-ce que vous retrouvez ces aspects, comparaison n'est pas raison, est-ce que vous avez ces aspects qui puissent nous amener à la réussite? Bon, je vais revenir un peu rapidement à ce que Self disait par rapport à la discipline, parce que moi je pense que c'est pour aider Malo qu'on parle. Moi je pense que tout ce que les gens ont dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, un peu partout ce que les journalistes ont dit, je suis sûr que ça ne va plus se répéter là-bas. Personne ne va venir avec ses enfants, personne ne va sortir au hasard, ça va aider. Moi je me rappelle, j'étais joueur en équipe nationale et j'étais dirigeant. Nous on avait même la sécurité. Et les entraîneurs donnent des ordres. À partir d'une certaine heure, on fouille la chambre de tout le monde. Et ça, c'est le travail des entraîneurs adjoints. Et ils sont au moins quatre, ils sont beaucoup là-bas, qui viennent faire le tour. Tant que ça ne sera pas en ordre, rien ne sera en ordre. Parce que ce que Salif vous dit, moi, j'ai donné des témoignages. C'est-à-dire, lui-même, il a vu aussi qu'ils n'étaient pas avec le même maillot, que les enfants sont venus, que les gens sortent. Ça peut être quand même qu'on donne des autorisations. Mais moi, j'ai dit que Malo est venu trouver ça. Et moi-même, j'étais là, c'est comme ça. Il y a des gens qui prennent des chambres d'hôtel pour leurs amis. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que ça soit clair pour aider l'entraîneur national pour réussir. Moi, j'ai dit que Malo peut réussir. Malo peut réussir si on le laisse travailler lui-même, donner des entraînements, faire ses marques qu'il faisait à RCK. Ça, c'est un. La deuxième des choses, que chacun n'a qu'à faire son travail. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sécurité. Tout doit être clair autour des étalons. Si les cadres ne donnent pas de bons exemples au niveau, parce que Malo le fait confiance, Malo s'est appuyé sur lui peut-être pour se qualifier. Et là, maintenant, il a fait mission accomplie. Il doit maintenant prendre les choses en main pour faire ses marques, pour pouvoir arriver à ce que lui-même, il est capable de faire ses marques-là. Sinon, c'est comme les gens ont dit, on ne le voit pas, parce que moi, je ne le vois pas sur le terrain. Moi, je vois ce film. Mais peut-être, c'est comme il a dit, que c'est les staff qui font. Mais moi, j'ai joué 13 ans professionnaliste. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et les joueurs actuellement qui jouent dans le haut niveau, quand ils reviennent, trouver que c'est l'entraîneur adjoint qui donne, les entraînements, ça les gêne. Ce que vous dites là, c'est très très important pour le professionnalisme. Donc sinon, Malo peut aller très très loin avec cette équipe-là. Mais on doit l'aider, ce qu'on est en train de dire là. Tout ce que les gens ont dit, ils doivent prendre ça positif pour voir ce qui est bien et puis améliorer ça pour la prochaine sélection. Et la fédération même doit l'aider pour la discipline là. Les joueurs, ils sortent. Moi, je vous dis la vérité. Tant qu'on tourne, on protège, ça ne va pas marcher. Pourquoi je parle des cadres là qui ne peuvent pas? Parce que, je prends l'exemple, c'est Cristiano et puis Sauge. Non, il ne faut pas prendre des cas exceptionnels. Ça, c'est des cas exceptionnels, Cristiano et Messi.
Moi, je veux que tu prennes, tu donnes les autres exemples, mais pas quand même, il y a 10 seulement dans le monde. C'est le 10. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Oui. Ça, c'est des choses qui ils sont disciplinés. C'est les gens qui donnent le Rexal. Ils prennent place sur le terrain. Pas comme Alain le fait, il rentre au bout du match. Donc, c'est ça, je dis, quand quelqu'un vient en tant que cadre qui veut accompagner les enfants, ce n'est pas sur le terrain, c'est au dehors du terrain que tu peux accompagner les enfants avant de sortir. Donc, ça, je préfère vous dire la vérité, qu'on doit organiser autour de ça pour aider Malo, et là, Malo peut arriver très loin. D'accord. Edem, avant que... Alors, je rappelle que cette émission est interactive. Irénée va afficher bientôt le numéro. Vous pouvez appeler, on va prendre... un ou deux téléspectateurs pour avoir votre avis sur le débat, parce que c'est votre émission à vous aussi. Alors, Dem, par rapport à l'encadrement technique. Rappelez-vous à la nomination de Kamou Malo. Oui. Je vous avais dit que tout Burkinabé avait l'obligation de soutenir Kamou Malo. Mm-hmm. Mais je vous avais dit qu'il y a mal donne dans la sélection de Kamou Malo. Mm-hmm. Parce que rappelez-vous, les mots ont leur sens. L'ancien président de la fédération qui l'a nommé a dit qu'il savait qu'un jour, ils allaient nommer un Burkinabé comme entraîneur national. Et je vous ai dit que ça, c'est pour le public. Parce que la réalité du terrain est que pendant tout leur règne, 10 ans ou 15 ans, 10 ans, Kamou Malo n'a jamais été entraîneur adjoint. Et je vous avais dit que c'est un cinglant désaveu de tous ceux qui ont été entraîneurs adjoints depuis 10 ans, de Brahma, à etc. C'est un désaveu cinglant de ces gens-là. Parce que si on veut nommer un entraîneur national, et on dit qu'on avait dans la vision de faire d'un entraîneur national un entraîneur adjoint, on devait le mettre dans l'académie technique pour qu'il apprenne l'environnement de l'équipe nationale. Et tout le monde savait, dans notre pays depuis plus de 10 ans, que Kamou Malo est le meilleur. Pourquoi depuis ce temps, on ne l'avait jamais fait entraîner adjoint? Pourquoi? C'est pour vous dire que ce que nous disons là, nous ne le prenons pas ex nihilo. C'est ce qui se passe sur le terrain. Nous voyons ce qui se passe. Et j'ai un problème sérieux avec l'entraîneur adjoint, l'entraîneur national des gardiens. Sabra Traoré. Oui. Rappelez-vous, ce monsieur a été avec les étalons au Canada. Oui. Et il a disparu. Oui, mais ça, c'est son passé. Non, ce n'est pas possible. Oui. Nous ne sommes pas là pour qu'on parle de discipline. Mm-hmm. Ce n'est pas possible de laisser des gens comme ça être dans l'entraînement. Ça ne fait pas bien. Ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Il y a des entraîneurs, il y a des gardiens ici. Il y a des hommes qui peuvent être entraîneurs naturellement. Des gardiens. Pas ce monsieur qui a disparu dans la nature, au Canada. Mais maintenant, c'est fait. Oui. Kamou Malo est entraîneur national. Nous devons le soutenir. Et le soutenir, ce n'est pas être des laudataires. C'est dire ce qui se passe. Parce que quand les étalons ne gagnent pas, c'est tout le monde qui ne dort pas. Ce n'est pas Salifou Guiguima qui est à côté de l'équipe nationale. C'est tout le monde. Même celui qui est à Falangoutou, il n'en dort pas. Donc, nous disons et nous souhaitons que Kamou Malo nous donne tort sur le terrain, parce que nous sommes inquiets de ce que nous voyons sur le terrain. Philippe ? Voilà, je voulais juste souligner que, en tout cas, les journalistes ont beaucoup travaillé pour l'avènement. Je te coupe. Oui. On va prendre un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ? Moi, c'est M. Balima. M. Balima, quoi ? Chandra. Chandra, alors vous nous appelez d'où ? Je vous appelle depuis Ouagadougou. Ok, alors, M. Balima, vous avez juste 30 secondes parce qu'on n'a pas le temps pour donner votre avis. Nous vous écoutons. Ok, c'était pour dire que l'émission, c'est une bonne émission. Ok. J'allais dire tout ce que les gens sont en train de dire là-bas, je crois que c'est une bonne chose. Okay. Mais maintenant, je veux revenir directement sur ce que M. Maïr est en train de dire. Effectivement, c'est des faits où réellement il faut tenir compte. Sinon, en regardant les trois matchs de M. Kamou Malo, je me suis dit personnellement que les étalons n'ont pas produit un jeu du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Et j'ai même dit que non, ce niveau de jeu que les Italiens ont produit n'atteint même pas notre championnat. Ah bon? Oui, ça je vous l'ai dit. Et il y a des matchs même qu'on peut peut-être même comparer avec.
Le niveau n'atteint même pas. Et je me demandais, est-ce que réellement, Kamou Malo arrive à sécuriser en tout cas tout ce qui est autour, tout ce qu'on demande pour développer un bon football. Puisque quand on écoute M. Maïga, je suis d'avis avec lui. Et même, j'allais dire à mon ami M. Digma, il n'est pas se fâché contre M. Dem. Non, il ne se fâche pas. C'est le débat ici, il ne se fâche pas. Voilà. Voilà, ça, c'est un peu gris. C'est ce que M. Dem dit. Oui. Franchement, et moi-même, personnellement, je ne vois pas M. Kamou Malo au niveau national. Son palmarès, moi, je ne vois pas en quoi Kamou Malo peut tenir les étalons du D'accord. Burkina. D'accord. OK. Alors, voilà, merci. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Voilà, allez, voilà, merci d'avoir appelé. Donc, il a donné son avis, comme on l'a dit, c'est le débat. Nous voulons tous le meilleur des étalons. Alors, Bationo. Voilà, je disais tout à l'heure que les journalistes ont beaucoup travaillé, ont beaucoup fait pour que l'encadrement technique soit confié à un national. Ça, il faut le reconnaître. Okay. On a écrit, on a débattu, on a parlé pour que ça arrive. D'accord. Et c'est arrivé, nous nous sommes dit, nous avons un devoir d'accompagner en griffe ce Burkinabé là pour qu'il réussisse sa mission. D'accord. Nous l'avons fait et Kamou Malo est l'un des rares entraîneurs, peut-être depuis 15 ans, peut-être 20 ans, qui a bénéficié de cette bienfaisance-là, de l'accompagnement des journalistes. Jusqu'à présent, rares sont les journalistes qui critiquent le monsieur parce qu'on veut qu'il réussisse. D'accord. Un échec de Kamou Malo serait un échec également de la presse sportive qui a travaillé et qui s'est battu pour qu'il soit là. Alors, on prend le deuxième téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Il est parti. OK, Philippe. Donc, c'est pour ça, justement, que quand nous voyons des choses pas catholiques, des choses qui ne vont pas dans le bon sens, nous nous sentons obligés d'interpeller l'entraîneur, d'interpeller les sélectionneurs afin qu'ils corrigent ce qu'il est en train de faire. Salif. Donc, Philippe, penser que nous sommes en train de vouloir, je ne sais pas, tirer à boulet rouge ou en train de vouloir enfoncer le sélectionneur national, ça se méprendre. Parce qu'au contraire, nous voulons qu'il réussisse. Mm-hmm. C'est pour ça que nous critiquons justement ce qui ne va pas dans l'équipe. D'accord. Salif. L'encadrement technique a comme, j'allais dire, objectif qui lui a été assigné de qualifier les étalons pour la CAN prochaine. Oui. Ensuite, atteindre au moins les huitièmes de finale. Et je sais que le long processus, c'est le rajeunissement. Mm-hmm. Je pense que jusque-là, le premier objectif est atteint. On attend donc d'aller pour la phase finale pour voir ce qui va se passer. Mais en attendant, pour la phase finale, l'objectif, c'est d'atteindre les huitièmes. Oui. Pour les phases finales. D'accord. Mais on a quand même... Parce que, exactement. Ça aussi, il faut le rappeler. Voilà, il faut rappeler. Parce qu'on ne peut pas vous demander de rajeunir et vous dire d'aller prendre la coupe. D'accord. C'est quand même... La précision est importante. Exactement. Et c'est pourquoi je pense que c'est un processus. Et il faut l'accompagner. Je dis, c'est peut-être pas le monsieur qui va toucher comme ça du bois et les choses vont changer. Non. Mais je dis, il y a aussi certaines réalités. Je comprends. Je comprends certaines réactions. Il y a des réalités que nous connaissons, nous, ici. Et souvent, ça se passe sous nos pieds et nous refusons de les voir et nous les voyons ailleurs. Mm-hmm. C'est ça aussi. Parce que je répète, cette équipe nationale-là, c'est l'émanation des clubs. Mm-hmm. Même si on peut citer un ou deux joueurs près qui n'ont pas véritablement marqué de leur empreinte le championnat national ici, c'est quand même ça. Donc, l'organisation, là, commence par nos clubs. Mm-hmm. Et moi, je pense que c'est ça. Et quand on prend la prestation de Ismaïla Ouédraogo lors de ce dernier match contre le Soudan du Sud, donc N'Golo Kanté, pour moi, c'est le symbole. Mm-hmm. Parce qu'à 22 ans, tu sors un gros match comme ça. Et je rappellerai aussi que ce n'est pas par défaut qu'il a été titularisé. C'était dans les plans de l'entraîneur. Voilà, contrairement donc à ce que c'est pas je peux vous le certifier, c'est pas par défaut, c'était dans les plans. D'accord. Voilà, depuis c'est moi je vous le dis parce que exactement. Et donc pour moi c'est le symbole fort et c'est ça qu'il faut encourager, faire en sorte que ça se passe. Il est clair aussi que ça ne peut pas se faire du tic au tac, m'a dit. C'est difficile. Après, on veut que, parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de connaisseurs. Je comprends, c'est passionnant, mais vous ne pouvez pas demander à cette équipe du Burkina d'être l'équipe. Je vais vous raconter une chose. Vous savez ce qui s'est passé rapidement parce qu'on est à la fin d'émission. En U20,
On a eu la possession sur tous les matchs, hein, mm-hmm. en phase finale. Mm-hmm. Voilà. Et à la fin, on cale contre l'Ouganda. Mm-hmm. Bon, on revient. Ce qu'on trouve à vous dire, en vous lapidant, c'est vous dire, non, on ne vous dit pas d'aller jouer comme des Brésiliens, on vous dit de vous qualifier. Aujourd'hui, on se qualifie avant terme. On dit dans le jeu, vous êtes qualifié, oui, mais le jeu est fade. Mm-hmm. À la fin... Non, je ne parle pas de vous, monsieur Dem. Je parle de ce que j'ai entendu. Vous ne pouvez pas me dire... Non, non, non. On ne demande pas aux étalons de jouer comme des Brésiliens. Qu'il y ait un sens, que tout le monde voit. Ça, c'est votre... Parce que c'est ce que les gens disent. Mais je pense que Golo Kanté a montré quand même qu'il y a beaucoup de joueurs comme lui qui peut quand même remplacer Balabna. Parce que Golo Kanté a eu plus de points, même que eux, pour son premier match. Pour son premier match, il est sorti et puis il a mis tout le monde d'accord. Mais si c'est Kamou Malo qui a ouvert. C'est Kamou, ah oui, très bien. Jusqu'à ce niveau, le premier entraîneur sélectionné national a ouvert une large liste de locaux. Voilà, ça c'est parce que le ministère l'a permis. C'est parce que le ministère l'a permis. Non, maintenant, ce que je vais dire... Dem, ce que je vais rajouter, on a tellement de joueurs talentueux qui jouent en Europe. C'est comme moi, je me suis battu tous les jours pour Faisal Tamsoba, qui a joué 26 matchs, qui a marqué comme Benfica, qui joue à Europa League, qui n'était pas sélectionné depuis très longtemps. Et je suis très content que dernière sélection, que Kambou Malo lui a rappelé, qui a donné quelques minutes, qui n'était même pas 100% burkinabé, jusqu'à il a joué une minute. Ça, je le félicite. Je le félicite pour Golo Kanté. Mais maintenant, on a des joueurs comme Salou Dramane. Et on a des joueurs comme Cédric Badolo. On a beaucoup d'autres comme ça, comme Samignan. Il faut oser le faire comme ce qu'on a fait à Golo Kanté. On peut remplacer. Mais si on ne remplace pas à temps, ils vont avoir des problèmes pour avoir des temps d'adaptation, pour faire des résultats comme ce qu'ils ont fait. Moi, je voulais juste souligner. Je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'en 2019, on a raté la CAN. Oui. Mais quand même, pour une CAN, aller juste pour les huitièmes de finale, quand on sait que même les meilleurs troisièmes peuvent être qualifiés pour les huitièmes de finale, je pense que c'est un objectif très minimaliste. En même temps, je voulais juste ajouter que le rajeunissement dont on parle aujourd'hui n'a pas commencé sous Kamou Malo. Il faut avoir l'honnêteté de dire que Duarte avait déjà commencé ce rajeunissement-là. D'accord. 80% de l'équipe, de l'équipe qui a été sélectionnée par Kamou Malo était déjà là. À Maberla ou quoi, en Espagne, lors des deux matchs amicaux des étalons avec la RDC. Edmond Tapsoba, c'est d'abord Kamou Malo qui l'a. Pas Kamou Malo, mais Paulo Duarte qui l'a convoqué pour la première fois. Okay. Issa Kabore, c'est Kamou. Non, Paulo Duarte qui l'a convoqué pour la première fois. Bon, donc, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Mais Abdoul Fessal Tapsoba, c'est quand même. Mais l'année passée, on n'était pas à la CAN. Ça, c'est quand même aussi à féliciter parce que l'année passée, et on n'était pas à la CAN, mais lui, il est venu quand même, 2021, malgré tout ce qu'on dit, c'est qualifié quand même. On sera à la CAN. On sera à la CAN, donc alors, ça c'est positif quand même, il faut le féliciter pour ça. Dites à mon ami Irma de rectifier. Rectifier. S'il y a un jour, un entraîneur national qui a donné on t'a dit le premier. Oui. Alors on ne finira pas, malheureusement, s'il vous plaît, rectifie. Le temps qui nous est imparti est fini, on est obligé de rendre l'antenne. Comme le disait le général MacArthur, le temps, c'est tout ce qui nous manque. On savait qu'on n'allait pas épuiser le sujet, mais vous, chers téléspectateurs, vous continuez à débattre du sujet chez vous et surtout sur le BF1 TV où vous avez suivi l'émission en direct. Merci Philippe, merci Salif, merci, merci Dem. Merci aux hommes de veste. Merci, merci Maïga. Merci beaucoup. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Surtout, merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. À Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Falangountou, aux États-Unis, en France, puisque BF1, vous pouvez nous recevoir partout. Nous vous dirons merci pour cette première de Au cœur du sport en direct. Ça sera désormais comme ça tous les vendredis. Rassurez-vous, le duo, le trio, le quarto, je suis sûr, ils seront toujours là pour vous satisfaire. Alors, sur ce, on se dit au revoir et à vendredi 21h.